mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs. Emplis-nous de ta paix. En nous murmure. Psaume 118, strophe 8. Le jour le Seigneur l'a fait, soyons dans la joie et dans l'allégresse. Et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendre ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je veux à tes points ne retarder, d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent, je n'oublie pas ta loi.
Observe tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est belle. Offre en moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, amen. Psaume 8. Le Christ s'est levé, alléluia, il a illuminé le peuple qu'il a racheté de son sang. Alléluia, 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 alléluia. Le Christ s'est levé. Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée. Par des lèvres d'enfants de tout petit, tu opposes ton lieu fort à l'agresseur pour réduire ennemis et rebelles. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire, le fils d'Adam que tu en prennes souci, à peine le fils du moindre qu'un Dieu. Sur l'œuvre de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds. Remis et peu tous ensemble. Les bêtes mènent sauvages, oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. Ô Seigneur notre Maître, il est grand ton nom par tout l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 46. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Fais choix pour nous d'un héritage, fierté.
parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu, il règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, fêtez-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. D'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses, lui le Seigneur notre Dieu. De Christian de Cherget, l'invisible espérance. Alléluia, c'est la joie, enfin, comme un grand débordement, tout un foisonnement de dons et de signes et de symboles qui célèbrent la richesse de notre Dieu et notre vocation à cet héritage somptueux. Dans le Christ ressuscité, tout est à nous, sur la terre comme au ciel. En lui, le Père nous a tout donné, et nous voici prêts à tout prendre. Pourtant, cette Pâque est aussi un exode. On nous l'a rappelé. Pour gagner la terre promise, il avait bien fallu accepter de laisser derrière soi les oignons d'Égypte. « Je t'ai fait goûter la pauvreté, » dit Dieu. Cette Pâque est aussi un chemin d'Abraham. À la pauvreté du Père, prêt à sacrifier à Dieu son unique, vient se substituer
une pauvreté plus grande et plus riche de réalité. Cette tunique lui est rendue, mais il se dérobe. Désormais, il appartient à Dieu qui l'a reçu. Il est fils de Dieu. Dans la Pâque de Jésus, tout se dérobe, un grand vide. Même les signes de notre pauvre attachement que nous destinions à ce mort gisent là, inutiles, dépourvus de leur sens. Inutiles les aromates d'un grand prix. Inutiles les linges qui enveloppaient le gisant. Inutile aussi ce tombeau neuf et à jamais inutilisable. Le mort lui-même a disparu et inutile de le chercher. Nous sommes dépouillés de sa dépouille. Ta même corps demeure dans la prière, dans l'attente de l'Esprit que Jésus avait promis. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne se disait propriétaire de ce qu'il possédait, mais on mettait tout en commun. C'est avec une grande force que les apôtres portaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la puissance de la grâce était sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans la misère, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, et ils en apportaient le prix pour le déposer aux pieds des apôtres. On en redistribuait une part à chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins. Joseph, que les apôtres avaient surnommé Barnabé, ce qui veut dire l'homme du réconfort, était un Lévite originaire de Chypre. Il avait une terre, il la vendit et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
Cette description de la première communauté chrétienne que nous lisons ici au chapitre 4 des Actes des Apôtres a quelque chose de véritablement saisissant. Ce qui nous saisit, ce n'est pas tant le caractère idyllique de cette première Église, où semble, en effet, restaurer l'harmonie originelle de la création, affranchie de toute forme de convoitise ou de cupidité. Non, mais c'est bien plutôt qu'à travers cette description, nous pouvons apercevoir, comme en transparence, quelque chose du mystère qui est à l'origine de cette Église, le mystère de la Trinité. Le premier trait est cette communion qui règne parmi ses membres, dont Luc nous dit qu'il n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Au baptême dans le Jourdain, puis lors de la transfiguration, la voix du Père se fait entendre depuis la nuée. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Et lui, le Fils bien-aimé, l'atteste, « Le Père et moi, nous sommes un. » Oui, les personnes de la Trinité n'ont en vérité qu'un cœur et qu'une âme. Et ce cœur, cette âme, c'est l'Esprit Saint, sceau brûlant qui les unit. Le deuxième trait est cette désappropriation, cette remise de soi à autrui dans une confiance totale. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Tel est l'ultime témoignage que Jean le Baptiste rend au Christ. Sur lui, il a vu l'Esprit descendre et demeurer. Et lui, le Fils bien-aimé, n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ayant été jusqu'au bout de la confiance et de l'abandon, inclinant la tête, il s'est écrié « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Oui, tout donner pour tout recevoir, telle est la dynamique de l'amour au sein de la Trinité. Et ce tout, sans cesse donné et sans cesse reçu, c'est encore lui, l'Esprit Saint. Ainsi, à travers cette brève description de l'Église primitive, c'est une immense fenêtre qui s'ouvre sur le mystère de Dieu. Et c'est bien un seul et même mystère qui préside à cette unanimité dans la pauvreté de soi en Dieu, comme parmi les croyants. Luc ne s'y est pas trompé, qui fait immédiatement précéder cette description d'un récit de Pentecôte, où tous, tandis qu'ils priaient, furent remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est l'unanimité même de la Trinité, qui est ce tout sans cesse donné et reçu par les personnes divines, c'est encore lui qui est donné aux croyants, afin que la vie même de Dieu soit répandue en leur cœur, afin que l'Église devienne ce pur vitrail à travers lequel Dieu se laisse contempler. Frères et sœurs, enjambons maintenant les siècles. En ce début du pontificat de notre pape François, ne lisons pas ce sommaire avec l'âme nostalgique de celui qui considérerait que c'était mieux avant. Quand bien même l'Église aurait un temps connu cet état de grâce, ses débuts n'ont pas été épargnés par des crises de toutes sortes. Preuve en est avec le récit de la fraude d'Ananie et de Saphir qui suit immédiatement notre texte. Non, c'est le cœur de son mystère et de sa vocation qui y sont révélés et qui demeurent inchangés au long des siècles, jusqu'à la fin des temps. Alors, posons un regard plein d'espérance sur notre mère l'Église, élevant les deux bras de la louange et de l'intercession, invoquons sur tous les croyants la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Thank you.
dialogue l'emporte sur la violence. Pour les personnes disparues ou qui ont été kidnappées et pour leurs familles, Seigneur, nous te prions. Que la dignité de chacun soit reconnue et préservée. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Pour les familles et les communautés divisées, Seigneur, nous te prions. Que la vérité et le pardon leur ouvrent un chemin d'unité. Nous te prions, Seigneur. Êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Regina Caeli, Regina Caeli.